Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, les copines. Et aujourd'hui, on va chacune vous partager nos indispensables pour tout ce qui est vestimentaire pour les enfants l'été, puisque les chaleurs sont là, voire même la canicule est là. Et du coup, on se pose tous la question de comment habiller nos petits loups pour qu'ils puissent passer au mieux cette période. Donc, c'est parti. Pour rappel, c'est vrai que Liana donc, a 2 ans et demi, elle est propre, donc plus de couches, elle gambade depuis fort longtemps et on voyage pas mal de par le blog. Donc du coup, c'est vrai qu'on est amené à avoir des favoris, mais qui sont essentiels en fait, vraiment. Je sais pas, vous aurez certainement d'autres astuces qui vont être intéressantes, mais nous, du fait qu'on voyage vraiment tous les mois, voilà, on a vraiment des favoris, mais des basiques en fait, vraiment pour nous. Donc déjà, ça va être les chaussures comme ça qui sont ouvertes, donc des sandales. Là, ce sont des Ipanema. Thibaut les a achetées il n'y a pas très longtemps, mais en fait, donc déjà, elles sont antidérapantes, donc elles peuvent aller vers l'eau, etc., dans des coins d'eau. Et puis, surtout, c'est en caoutchouc, donc ça lui fait vraiment pas mal aux pieds. Et surtout, elle ne transpire pas. Il n'y a pas de chaussures ouvertes, il n'y a pas de chaussures en cuir, il n'y a pas de chaussures, les petites chaussurettes toutes mignonnes où on est obligé de mettre des chaussettes, sinon ça blesse l'enfant. Là, on fait vraiment, voilà, ce genre de chaussures en caoutchouc. Pour qu'elle soit le plus à l'aise et que surtout ses pieds ne chauffent pas. Alors déjà, forcément, chapeau, hein, soleil, chapeau, etc. Et j'en ai acheté plusieurs, franchement. Alors ça, justement, je suis contente d'en parler parce que j'en ai acheté tellement, tellement que finalement j'en mets qu'un. Parce qu'il n'y en a qu'un qui va. Et pourquoi? Parce que j'ai un bébé qui ne fait que d'enlever ses chapeaux, ses casquettes. J'ai des belles casquettes, etc. Mais il n'y a rien qui va parce que dès que je lui mets, hop, il arrive, voilà, il la retire direct. Donc le seul chapeau qui lui convient, c'est un chapeau avec les lanières comme ça, pour vraiment lui accrocher, et comme ça il est obligé de le garder. En plus il est trop mimi, donc je l'ai eu chez H&M et j'en ai trouvé que chez H&M pour l'instant, des chapeaux, enfin des bobs comme ça avec la ficelle en dessous, parce que j'ai acheté d'autres bobs comme ça chez Kiabi, etc., mais il n'y a jamais la ficelle. Et ça, la ficelle, c'est indispensable si vous avez des bébés têtus comme le mien. Alors pour ma part, la première chose que je vais vous parler, c'est un des vêtements d'Eden. Il s'agit de shorts. Alors on met tous des shorts, mais la petite chose que j'ai remarqué, c'est de vraiment viser les vêtements en toile et pas en jean. Il y a plein de très beaux shorts en jean, mais en période de canicule, le jean est une matière qui va beaucoup plus leur tenir chaud qu'une toile beaucoup plus légère. Quand vous leur faites essayer, vérifiez bien que ce soit ample, parce que si ça les colle en fait, ça va leur tenir encore plus chaud. Alors quand c'est un petit peu ample, l'air peut circuler. Donc moi pour le coup, vous voyez, c'est un en taille 50 sur 8 cm. Et donc même si je le fais bien maintenir au niveau du ventre, pour qu'il ne le perde pas, je fais très attention qu'au niveau de la jambe, ça ne soit pas serré contre lui, mais ample pour que l'air puisse circuler et que tout simplement ça ne fasse pas des frottements, parce que les vêtements, quand ils frottent trop avec la chaleur, ça peut créer des zones d'irritation, même au plus grand. Bon, d'abord on va parler de chaussures. Pour Axel, je vais privilégier un petit modèle comme ceci. Alors ça, c'était celle de Léo, donc c'est celle que je mettrai à Axel. Si je retrouve la deuxième, j'avoue que j'ai retrouvé que celle-ci pour l'instant. Mais ce qui est génial avec ces petites sandales, c'est que c'est fermé sur le devant, donc ça évite qu'il se blesse les orteils. Et puis il y a quand même une semelle qui est assez rigide, tout en étant quand même un peu souple, hein. Mais ça, c'est pour vraiment quand il commencera à marcher, là il commence à se mettre debout. Donc peut-être que d'ici quelques semaines ou 1 ou 2 mois, ce sera utile de les avoir pour Axel. Sinon, tant qu'il marche pas, c'est pieds nus tout le temps. Alors moi, ça, je réfléchis même pas, c'est pieds nus en permanence. Pour Léo, les Crocs, c'est ultra moche, mais c'est tellement pratique, il adore les porter. Franchement, c'est soit en mode babouche, ça s'enfile hyper facilement, soit avec la lanière qui tient derrière le talon, comme ça, ça tient vraiment si on va marcher un petit peu plus. Mais vraiment, les Crocs, l'été, c'est la vie. Alors en plus, Cars. Et sinon, ce qu'il aime aussi beaucoup, c'est porter des petites tongs. Donc il en a des Rainbow, comme papa, il adore. Et des Havaianas. Ensuite, donc c'est, voilà, j'achète des petits maillots de bain comme ça, qui sont en pièces ensemble en fait. Donc je les ai beaucoup trouvés chez H&M, ils font vraiment de très jolis maillots de bain, mais ils sont anti-UV. Et donc en fait, quand il fait très chaud et que par exemple on part à vélo ou des choses comme ça, enfin il fait très chaud pour un enfant dans tous les cas, mais on part pas à vélo à 14h. Et qu'on fait quelque chose, une activité, ou même qu'on est à la piscine, ou même juste dehors, dans le trampoline à la maison en train de jouer, ou en vadrouille dans le voyage ou quoi que ce soit, même si on va pas dans l'eau, on lui met donc ça.
Avec comment dire de la crème solaire 50 donc sur les jambes, mais on lui met toujours un maillot de bain anti-UV, ce qui évite qu'elle poisse, ce qui évite beaucoup de choses en fait par rapport au fait que ce soit anti-UV, donc ça c'est génial. Toujours parler de vêtements d'Eden, je vais vous montrer un t-shirt, donc peu importe la forme du t-shirt, la chose que je vais vous parler c'est de la couleur. Éviter les vêtements noirs l'été, je pense qu'on le sait tous, mais des fois on voit un petit haut trop mignon pour nos loulous en noir, on se dit oh mais c'est trop choupinou, mais ça leur tient extrêmement chaud, donc moi je vise t-shirt le plus clair possible, voire même des débardeurs, là j'en ai pas sous la main parce qu'ils sont en machine, mais des choses ultra légères pour que, eh bien pareil, la chaleur ne, si c'est noir en fait ça absorbera la chaleur, donc là il y a des petits motifs noirs, mais c'est très subtil, donc c'est pas ça qui va le tenir chaud, et pareil encore une fois quelque chose de pas trop près du corps. L'été, évidemment, lunettes de soleil pour les enfants, c'est hyper important. Alors, il y a ces modèles-là, vous savez, avec un élastique qui va derrière la tête. Léo, j'ai longuement essayé de lui faire porter ce genre de lunettes, ça n'a jamais, jamais marché. Il les a toujours enlevées, en plus il les tirait, il se les reprenait sur le visage et tout, donc vraiment, en tout cas pour Léo, ça n'a jamais fonctionné. Axel, ça va, il les porte un petit moment, mais ça commence vite à l'énerver. Par contre, là où ça a vraiment commencé à marcher pour Léo, c'est le jour où on est allé ensemble choisir une paire de lunettes qu'il a choisi lui. Il a choisi celle-ci. Ce sont des petites Ray-Ban qui sont d'ailleurs dégueulasses, il faut que je les lave. Mais du coup, il veut tout le temps les porter. Donc le fait, je pense qu'il les ait choisies lui. En plus, on a été chez l'opticien. Elles sont vraiment bien incurvées. Vous voyez, elles tiennent super bien derrière l'oreille. Donc il les porte tout le temps. Ensuite, deuxième chapeau, c'est un chapeau, une casquette pour la piscine en fait. C'est en matière, un peu comme les maillots de bain. Et celle-ci, elle vient de chez Decathlon. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez lui mouiller. Du coup, il l'a sur la tête mouillée. Et j'aime bien parce que ça descend derrière dans sa nuque. Bon, c'est pas très esthétique, hein, on dirait un truc d'aviateur, je sais pas trop quoi. Mais au moins, ça protège vraiment tout son cou, ça descend jusqu'à sa nuque. Et parce que voilà, le soleil, s'il tape là, c'est assez... Je pense que ça tape là en premier, enfin en premier quand on est de dos, on pense pas forcément à la nuque. Et puis voilà, comme ça c'est protégé avec ça, donc voilà, chez Decathlon ils font ce style de casquette, chapeau. On passe à Lily Rose, donc je vous en montre un exemple, mais c'est la petite robe. La chose que je vais vous parler en parlant de robe, c'est de complètement éviter les bodys, parce que les bodys c'est quelque chose qui est contre le corps. Et du coup en hiver c'est génial parce que ça apporte une couche de chaleur, mais en été du coup c'est vraiment pas la bonne chose. Visez par exemple si vos enfants sont encore en paire de couches, des salopettes, des bloomers, des choses un petit peu plus amples pour que pareil l'air circule et qu'il soit pas vraiment au chaud et que ça provoque encore une source de transpiration supplémentaire que le body qui peut en plus provoquer des frottements. Moi je vous parle de la robe parce que nous ici on est en période de propreté et que donc pour les petites filles c'est très pratique, et pareil c'est des robes amples qui viennent pas se plaquer contre le corps et qui vous tiendront pas trop chaud. Ensuite alors, toujours chez Decathlon, là niveau maillot de bain pour bébé, donc au début j'avais acheté des combinaisons, c'est vrai que c'est pas mal les combis, hop une pièce, vraiment ça protège tout, mais je trouve ça moins pratique qu'un un maillot de bain deux pièces pour, enfin, là, en l'occurrence un garçon, parce que les combis une fois qu'il est mouillé, vous pouvez, faut tout lui enlever, voilà. Donc, alors que là si vous l'achetez en deux pièces, donc chez Decathlon aussi, je sais qu'en vacances, après avoir été dans l'eau, on se met à Londres et à Londres il fait pas très chaud. Du coup je lui ai enlevé le haut parce que le haut il était trempé et ça lui donnait froid après. Et comme ça il avait encore son petit boxer de bain quand même sur lui, voilà, sans être totalement découvert, totalement nu quoi. Donc voilà, je trouve qu'en deux pièces c'est quand même plus pratique qu'une combi entière. Ensuite, pour aller se baigner, c'est hyper important l'été. Alors j'ai... Pour Axel, qui n'est pas encore propre évidemment, parce que Léo il est propre, mais pour Axel, j'utilise ce genre de couches pour aller dans l'eau, c'est donc des couches lavables, ça évite de devoir acheter et jeter, vous savez, ces couches qui sont faites pour l'eau, qui finalement retiennent rien du tout. Bon, ça retient le caca, mais le pipi ça retient rien. Bah ça c'est pareil, le pipi il va passer à travers, mais comme dans une couche normale, et le caca il sera retenu. Mais je vous dis, en je sais pas combien d'années qu'on les a utilisés avec Léo, il n'a jamais fait caca dedans, donc voilà. Et c'est hyper bien, franchement c'est hyper bien, c'est anti-UV, c'est la marque iPlay, j'ai plein de trucs de cette marque là, j'adore. D'ailleurs j'ai le petit chapeau qui va avec le petit slip qui est trop trop chou. Et sinon c'est aussi des robes ajourées, c'est-à-dire que voilà, les robes, il y a donc ça.
Et donc c'est à dire que les robes, voilà, il y a des petits ça laisse passer l'air et ça évite qu'elle ait trop chaud avec la robe. Donc celle-ci c'est une Zara, mais on en a d'autres marques. Et c'est vrai que ça c'est vraiment chouette parce que du coup ils ont pas trop chaud avec leurs robes et leurs comment dire, les doublures. On va toujours parler pour Lily Rose. Donc je vous montre ceci, c'est un sorte de petit bloomer. Donc c'est à dire c'est juste un sorte de petit short assez court, mais celui-ci est très ample. Et des fois quand il fait vraiment très chaud, je la mets qu'en couche, voire juste un petit bloomer. Voilà, elle a encore que 2 ans, donc bien sûr je la mets pas dehors comme ça parce que sinon avec le soleil on va parler d'anti-UV, de chapeau. Là c'est vraiment pour la maison, si vous aimez pas que votre enfant soit que en couche ou en culotte parce que vous pouvez peut-être recevoir du monde et que vous n'avez pas trop envie, juste un petit bloomer, un bébé torse nu de 2 ans, franchement c'est pas dérangeant que ce soit une fille ou un garçon. Pour l'été, pour les enfants, je pense que c'est comme les adultes, on est beaucoup plus à l'aise quand on n'a rien qui passe sous les aisselles, donc pas de t-shirt, mais ce genre de petite liquette, du coup ça marche très bien. Ça c'est la version body pour Axel, ça vient de H&M, on les trouve un petit peu partout, hein. C'est hyper agréable. Et bah, pour Léo, en version t-shirt, voilà, petit t-shirt sans manches. Un peu genre Bruce Willis. Le chapeau c'est pareil, il est anti-UV, j'en ai un autre mais j'ai pas, il doit être au sale. En fait il descend dans la nuque, comme ça, ça fait un petit peu comme un chapeau, un peu comme on peut avoir quand on va dans le désert, etc. Donc c'est avec une visière, donc toute la tête est prise hein, bien sûr, et ça descend dans le cou en fait. Donc du coup il n'y a pas de coups de soleil qui peuvent être pris dans le cou. Là c'est plus un vêtement, c'est... Je sais pas comment on appelle ça, c'est un genre de pare-soleil. Et en fait, je trouve ça super pratique parce que ça se clipse partout, donc sur les poussettes, etc. Et du coup, vous pouvez l'orienter direction du soleil pour le protéger. Et j'ai déjà eu des ombrelles, franchement, j'en ai eu 2 et c'était la galère parce qu'elles s'orientaient pas bien, elles se clipsaient pas sur toutes les poussettes. Enfin, c'était assez. Je sais que l'année dernière, j'ai galéré avec ça. Et là, ben, ce truc-là, il est hyper pratique. Hop, avec. Je crois que c'était sur Vert Baudet que j'ai vu ça. Et ça, moi, c'est universel, ça se clipse partout. Et enfin, la dernière chose que j'ai beaucoup utilisée avec Lily Rose l'été, c'est le linge pour remplacer les vêtements. Quand il fait très très chaud, un bébé qui n'arrive pas à gérer sa température va avoir très très chaud. Moi, ce que je fais, c'est que ce soit du maxi-linge ou du petit linge. Je vais essayer différemment. Le maxi-linge, je vais le mouiller et emmailloter bébé dedans quand ils sont tout petits. Et ça va leur permettre... de prendre une source de fraîcheur et je le changeais régulièrement quand on était en canicule encore, je faisais ça et ça faisait un bien fou. Pour les plus petits, vous pouvez simplement aussi le nouer autour de là en l'ayant humidifié, ça leur fait un petit oreiller. Par exemple, vous lui mettez le petit shorty, le petit bloomer, la petite culotte, le petit boxer, le petit caleçon en fonction, voilà, ou en petite couche. Et ça, vous leur mettez hop en tour de taille et autour de la poitrine en étant humide et ça va leur tenir frais. Pareil, le petit l'ange en version, je le prends et je le noue en bandana et je l'humidifie, alors soit au brumisateur pour pas que ce soit trop mouillé, soit vraiment trempé pour apporter une source de fraîcheur. Et ça, je m'en sers vraiment comme d'un vêtement. Alors là, le maxi-linge, c'est vraiment quand elle est tout bébé pour l'emmaillotage. Sinon, le petit linge classique, j'en ai toujours avec moi dans les valises parce que ça me sert entre autres pour ça, pour la chaleur quand il fait vraiment trop chaud. Ça peut faire plusieurs fonctions. Et le dernier indispensable, c'est les lunettes. Et pour pas qu'elles tombent, c'est vraiment ça. Et nous, Liana, bah, du coup maintenant avec les voyages, elle nous les réclame. Quand elle a pas ses lunettes, elle me dit « Maman, je veux mes lunettes ». Et donc du coup, ça évite vraiment que ça tombe. Elle a des petites lunettes Ray-Ban qu'on a achetées, je crois, en étant en Sicile l'année dernière. Et voilà, on lui met ça, on le serre à la tête et ça ne bouge pas. Et franchement c'est trop chouette, elle garde ses lunettes toute la journée. Mais de toute façon, comme je vous le disais, Liana les réclame, elle a les yeux très clairs comme Thibaut et moi. Et donc du coup ça la gêne beaucoup trop le soleil, elle peut pas jouer, donc elle l'a très bien compris. Et pour terminer, je vais vous parler du dodo, parce qu'on se creuse toujours la tête et on se demande comment est-ce qu'on doit les habiller pour la nuit. Quand c'est la canicule, je ne me pose même pas la question, je mets Axel en couche dans le berceau, hein. J'ai fait comme ça avec Léo tout le temps, il a jamais pris froid, enfin vraiment. Je pense que ça lui fait même du bien de rien avoir sur la peau et tout quand on a vraiment des grosses grosses canicules, des grosses chaleurs. Sinon s'il fait chaud mais quand même la nuit, bah, ça baisse un petit peu puis on dort la fenêtre ouverte et tout. Pareil, je le mets en couche dans une turbulette, mais il faut vraiment des turbulettes extra légères. Et pour ça, Adan et Anaïs font les meilleurs. En fait, vous savez, ils font les langes, Adan et Anaïs, tout plein de langes. Bon, je pense que vous avez déjà vu, c'est sûr. Et du coup, c'est en matière lange, c'est hyper léger. On a quand même quelque chose sur la peau, donc ça évite les courants d'air, notamment s'il transpire un petit peu, puis qu'il y a du vent ou il y a de l'air qui passe dans la chambre. Et ce genre de turbulettes sont juste, elles sont vraiment, elles sont géniales. Alors vraiment ça, c'est
top. Et le dernier, la dernière chose pour protéger bébé du soleil, c'est cette tente en fait, un abri de plage on appelle ça, qui va protéger donc anti-UV et du coup qui va protéger... Alors maintenant il faut que le bébé reste dedans, mais moi Gabin c'est vrai qu'il a tendance à gigoter un peu beaucoup et il reste pas trop en place, mais c'est pas mal en fait pour emmener, hop vous avez le petit... ça se prend en forme de sac et puis voilà ça s'emmène sous la plage. Et enfin pas que la plage en fait, hein, même genre à la piscine ou autre, ou même dans le jardin en fait sur ma terrasse. Je sais que j'ai pas d'ombre sur la terrasse, donc ça protège, au moins c'est anti-UV pour les bébés. Voilà, j'espère que nos petits favoris, nos petits indispensables d'été vous auront donné des idées. N'hésitez pas à nous partager les vôtres en commentaire et je vous dis rendez-vous semaine prochaine sur la chaîne de Valentine pour un nouvel épisode Les Copines et à demain pour un vlog. Bye bye.